Aujourd'hui, dans une saison aux châtaignes, nous vous amenons dans l'entreprise familiale Le Rouvray Nature, en Corrèze, où Cécile et Guy exploitent 14 hectares de châtaigneraies. La totalité, c'est 14 hectares. D'abord, j'ai planté du M15 du Marigoul sur 6 hectares en 1998, donc première fois en 1999. Et ensuite, j'ai planté 2 hectares de boules de Bétizac. Et j'ai agrandi, alors boules de Bétizac en 2000. Et en 2012, j'ai agrandi par 2 hectares supplémentaires de boules de Bétizac. Plantées avec une essence complètement différente. Parce que lorsque j'ai planté en 2000, on ne savait pas boules de Bétizac à quand il fallait la planter. Donc j'ai planté à 8 mètres sur 10. Et les derniers, en 2012, j'ai planté à 15 mètres sur 15 mètres. Et ensuite, j'ai loué 3 hectares, pratiquement c'est tout des Bétizac, c'est 3 hectares de Bétizac qui sont à proximité, qui sont à 1,5 km de mon exploitation. Donc la totalité, 14 hectares, et en propriété, 11 hectares. Alors, le volume de récolte moyenne, c'est 20 tonnes. Bon, des fois ça fluctue un tout petit peu, c'est allé à 30 tonnes au maximum, mais on est descendu à 18-19 tonnes certaines années. On a une ramasseuse, mais qui est spécifique ramasseuse, parce que même quand on lui met un tapis ébogueur, on n'a pas le résultat escompté. Donc j'ai une ramasseuse et une ébogueuse à côté. Pas cette année, mais les années antérieures, je passais 3 fois au même endroit. C'est-à-dire qu'il y avait un passage, après il y avait un vibrage, on secouait l'arbre pour faire tomber les Bétizac, pas les marigous, les boules de Bétizac, et après un passage derrière, donc 3 passages. Sur les marigoules, c'est un petit peu plus variable, si tu veux, parce qu'on peut passer 3 fois, mais on peut passer 4 fois, on peut des fois passer 5 fois. Parce qu'en fonction du rythme de châtaignes qui tombent, si tu veux, bon, c'est très variable. Cette année, on n'a pas vibré, parce que ça valait pas le coup, les arbres. Il y en avait qui étaient prêts, les autres n'étaient pas du tout prêts. Donc lorsque tu vibres et que les arbres ne sont pas trop prêts, tu fais tomber la bogue. Elle est verte et elle passe à la machine, mais elle ne s'ouvre pas. Donc tu perds du rendement. Donc lorsque la production est homogène, c'est-à-dire que tous les arbres sont au même stade, ça va bien. Mais cette année, c'était différent. Ce qui serait bien, je pense, le vibrage, c'est de le mutualiser, c'est-à-dire d'en acheter un pour une dizaine, parce que ça va très vite. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, mais parce que je ne suis pas toujours avec le gars qui vibre, mais il doit faire, je ne sais pas moi, peut-être une demi-heure, même pas, ou une heure à l'hectare. Ça va très vite. Hein. Alors, on ne vibre pas marigoule, parce que marigoule est dans une bogue qui est pratiquement fermée. Boules de Bétizac, on dit s'égrène facilement parce que la bogue s'ouvre et la châtaigne tombe. Marigoule, c'est une bogue qui est relativement fermée et qui tombe au sol. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que boules de Bétizac se détériore lorsqu'elle est au sol, donc il faut ramasser très vite, tout de suite. Et marigoule, c'est l'inverse, quand elle est dans la bogue et quand elle est par terre, elle s'améliore. C'est-à-dire qu'une châtaigne marigoule qui tombe est meilleure 8 jours ou 10 jours après, que lorsqu'elle tombe tout de suite. Bon, comme récolteuse, j'ai commencé tout au début par Fagma. C'est-à-dire que j'ai commencé par la toute petite, la Fagma avec un tuyau, la 120. Ensuite, je suis passé tout de suite derrière à une automotrice, à la 180. Et ensuite, la 380, encore plus gros. Maintenant, j'ai complètement changé. Pourquoi ? Parce que j'avais de gros
problème en fin de saison avec la FADMA. La FADMA, elle est très sensible à l'humidité, très sensible au changement de climat. Lorsqu'il fait beau, ça va très bien. Lorsqu'il fait mauvais, eh bien, on ne s'en sort pas, quoi. On débourre sans arrêt la machine. Maintenant, l'avantage de la FADMA, c'est quand même qu'on peut travailler tout seul. Moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai ramassé mes 20 tonnes de châtaignes tout seul, parce que c'est une ramasseuse et bogueuse. Donc quand la ramasseuse arrive, elle vide tout dans la trémie des bogages, qui est équipée donc d'un tapis de trémie pour nous faire avancer en fait les châtaignes au fur et à mesure jusqu'au tapis ébogueur. Donc une fois que c'est monté dans le tapis ébogueur, il y a des ressorts en fait qui appuient sur les bogues et qui permettent la séparation bogue-châtaigne. Ensuite, le pelon arrive au niveau de la cheminée en fait que l'on voit, c'est-à-dire dans ce conduit, il y a un gros ventilateur qui lui permet de recracher en fait tout ce qui est léger, c'est-à-dire les pelons, et normalement nous fait descendre tout ce qui est châtaigne, tout ce qui est lourd. Bon, là ça descend sur un tapis de tri pour nous, qui nous permet de retrier effectivement ce qui est lourd, c'est-à-dire le bois, les pierres, et ben, parfois les pelons ou les châtaignes sont restées, donc là ça nécessite un autre tri, avant de finir donc à la fin de ce tapis dans le palox. Il nécessite en fonction des variétés des réglages, c'est-à-dire qu'on va éboguer plus fort sur Marigoule, qui a des pelons quand même plus costauds et dont les châtaignes ne sont pas sorties, que sur Bétizac, où là quand même on a des pelons beaucoup plus légers et où il y a déjà des châtaignes sorties des pelons, donc déjà moins de pelons. Donc ça nécessite quand même des réglages, que ce soit au niveau ventilation, que ce soit au niveau ébogage, en fonction des variétés et en fonction de comment le produit se comporte finalement. Une chose, c'est que l'ébogueuse, elle n'est pas à poste fixe. Beaucoup ont des ébogueuses, mais à poste fixe, alors que nous, elle est itinérante, c'est-à-dire qu'on l'amène sur la parcelle qu'on veut récolter. L'action, celle-ci, elle est électrique, elle n'est pas hydraulique, elle est électrique. Donc, il faut très peu, avec un 40-50 chevaux, on fait tourner l'alternateur et on a le courant qu'il nous faut. Quand tout marche bien, c'est vraiment synchrone, c'est-à-dire qu'on est... Lorsque la ramasseuse arrive pour vider, il n'y a plus rien dans la trémie. Mais quand ça marche bien, quand tout va bien. Le premier inconvénient de ce système-là, c'est la main-d'œuvre. Mais à 3, voire à 2, mais l'optimum, ça serait 3. Un pour ramasser et 2 à l'ébogueuse. C'est l'optimum et c'est la meilleure organisation qu'on puisse trouver. Même si c'est quand même un système qui est fait pour ramasser en temps partant mauvais, partant de pluie, il faut bien se dire que nous on ramasse sur terre. Donc là on amalgame la terre, ça devient très compliqué. Et au niveau de l'ébogueuse, puisque là on remplit sous le tapis ébogueur de cochonneries, de terre. Donc ça nécessite beaucoup de nettoyage. Donc quand il pleut vraiment, on ne ramasse pas. Non. Alors c'est un choix qu'on a fait de ne pas les tremper. On était prêt à le faire et j'ai maintenant pas mal d'échos de gens qui le faisaient qui ne veulent plus le faire. Parce qu'ils me disent c'est trop de boulot. C'est vraiment, quand on en fait beaucoup, c'est vraiment trop de travail de les tremper. Et derrière, on n'a pas le rebut, le quart de tri que l'on a en industrie qui en reçoit à 20 centimes, ça ne vaut pas le coup. Alors, pour l'instant, les bogues restent sur place, c'est-à-dire soit celles qui sont recrachées restent sur place, et ensuite, parce qu'il y a des bogues quand même, la machine recrache des bogues sans châtaigne, donc qui sont soufflées, donc elles restent sur place, et effectivement, elles sont gyrobroyées, et ça fait un apport de matière organique. Soit, effectivement, les tas de pelons, à l'heure actuelle, on les laisse descendre, et après, on les écarte et on met un coup de gyrobroyeur dedans. C'est pas une bonne solution. Soyons clairs, pour l'instant, on aimerait vraiment trouver une autre solution. À voir, il y a des petits projets qui se décantent un peu partout. Enfin, surtout un, donc à voir.